L'une des choses que je t'ai dit avant de venir d'arriver ici au Canada, c'est qu'il y a beaucoup de moustiques. Et oui, bon, bref, nous ne faisons pas trop d'attention, mais maintenant que je suis ici, je vous confesse que effectivement, il y a pas mal de moustiques et ça pique beaucoup. Et donc, il faut se mettre de la crème, d'autres choses pour, voilà, pour les éviter. Et ça m'a rappelé un moment de notre vie où Susanna et moi, nous étions des missionnaires en Afrique, au Rwanda et au Kenya. Et lorsque tu vas dans un voyage de ce type, tu penses à l'attaque d'un lion, d'un tigre, d'un animal large. Bon, tigre là-bas, non, mais le léopard, oui. Mais vous voyez ce que je veux dire. Tu te mets en garde par rapport à l'attaque d'un animal, une bête fière qui peut te tuer. Mais le moustique, tu fais pas vraiment d'attention parce que tu penses, ah ben, bah, je peux le tuer immédiatement avec ma main. Tu es comme ça, tu tues un petit moustique. Mais sache que et pas beaucoup de monde est tué ou meurt à cause d'une attaque, l'attaque d'un lion, pendant l'année dans tout le monde. Ce sont quelques-uns seulement, mais chaque année, il y a des millions de personnes qui décèdent à cause de moustiques. Et soit à cause de la malaria et d'autres maladies qui sont transmises à travers le moustique. Et réfléchissons à ça. Parce que on se met en garde par rapport à des grosses choses, mais à la fin, ce sont les petites qui tuent des millions de personnes. Ça arrive pareillement dans notre vie spirituelle. Lorsqu'on reçoit l'attaque de quelqu'un, on a commis une erreur grave, ce qu'on a dit, un gros péché. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme l'attaque d'un lion. Pas tout le monde, il y a très peu qui vraiment succombent, qui décèdent spirituellement à cause de ce type de choses. Mais si on fait attention, tous les mondes commet des petits péchés, des petites erreurs, des petites morsures aux piqueurs de moustiques. Et ça, on les fait tous, chaque jour. Ça tue beaucoup plus de vie spirituelle chaque jour, plutôt que les gros péchés. En Jean chapitre 1, verset 19, dit que si nous allons envers Dieu, envers Jésus, et nous confessons notre péché, il est disposé en condition de nous pardonner. Il a toujours cette volonté de nous pardonner. La question c'est que, est-ce que tu confesses tes erreurs, les grosses erreurs? Oui, parce que ça nous fait peur. Oh mon Dieu, j'ai fait une telle erreur. Oh mon Dieu, je veux que tu fasses de la justice dans ma vie. Parce que, voilà, c'est comme l'attaque d'un lion. Mais, qu'est-ce que s'y passe par rapport aux moustiques spirituels? Les petites choses dont on fait pas attention, un mauvais mot, une petite mensonge, un regard que on doit pas le faire, les petits ragots, les petits mensonges, tu vois, les petites choses dont on fait pas trop d'importance, nous ne les confessons pas. Et ça, c'est le petit péché, les petits moustiques qui nous pourrit notre vie spirituelle et qui finalement peuvent à finir avec notre vie éternelle aussi. Donc, réfléchis à ça. Le gros attaque, le gros péché, les lions. Oui, on y va, Dieu, aide-moi. Mais qu'est-ce que s'y passe avec les petites piqûres des moustiques tout au long de la journée? Ça tue beaucoup plus de personnes à la fin de la journée dans tout le monde. Réfléchis à ta vie spirituelle et pense un petit peu à qu'est-ce que tu fais chaque jour et qu'est-ce que tu confesses à ton Dieu.